Ancien visage du grand journal de Michel Denisot sur Canal+, Karim Rissouli officie désormais sur les antennes du groupe France Télévisions. Aux commandes de l'émission quotidienne C'est ce soir sur France 5, le journaliste présente aussi depuis maintenant 6 ans le programme hebdomadaire C'est Politique, diffusé chaque dimanche sur la même chaîne. Un rendez-vous que Karim Rissouli n'animera plus la saison prochaine. Le journaliste a donc présenté ses politiques pour la dernière fois dimanche 26 juin 2022. À l'issue de ce numéro, l'animateur a fait ses adieux aux téléspectateurs. Quelques mots rapides pour finir, j'aimerais d'abord remercier Camille Girard, qui a fait le choix de se consacrer à la production de documentaires, toujours avec nous dans l'environnement de ses politiques et c'est ce soir la saison prochaine. Elle ne sera plus autour de cette table. Camille, tu as été chroniqueuse, rédactrice en chef, joker. Tu m'as remplacé, quand j'en ai eu besoin, de manière brillante. Donc, merci en mon nom et au nom de toute l'équipe, a tout d'abord indiqué Karim Rissouli, avant de s'adresser directement aux téléspectateurs de France 5. Pour ma part, je vais simplement vous remercier, vous qui nous avez fait confiance depuis 6 ans tous les dimanches. Vous avez continué à le faire, par ailleurs. Merci de votre fidélité. Je vais passer la main la saison prochaine, a souligné le journaliste. Karim Rissouli, je n'aurai pas le temps de remercier tout le monde C'est Politique, ça continue. Camille sera là. Thomas, Snegarov, note de la rédaction, sera là. Yael Gousse sera là. Moi, je sais ce que je ferai le dimanche soir à 18h30 dans mon canapé. Enfin, je n'aurai pas le temps de remercier tout le monde, toutes celles et ceux qui ont travaillé avec moi, qui le méritent, et, je pense, le savent. A ajouté Karim Rissouli, avant d'être brutalement coupé dans ses adieux par la chaîne. Après une série de spots publicitaires, Thomas Snegarov a pris le relais pour la suite de l'émission, sans toutefois revenir sur l'incident technique. Pour info, le dernier numéro de C'est Politique présenté par Karim Rissouli a réuni une moyenne de 698 000 téléspectateurs, ce qui représente 5% de part d'audience sur l'ensemble du public âgé de 4 ans et plus, selon les chiffres de Médiamétrie.